avoir 10 000 adresses e-mail ou plus. C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, ici c'est ViewDunet, ici on parle business en ligne, tout ce qui peut permettre le business en ligne. Si vous aimez le business en ligne, je vous invite à prendre 2 secondes à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment vous pouvez avoir 10 000 ou bien plus de 10 000 emails que vous pouvez utiliser pour vos besoins personnels. Donc, cette astuce, vous pouvez l'utiliser au moment où, des fois, il y a des sites qui offrent des périodes d'essai. Donc, sur ces sites-là, vous devez mettre votre email. Mais le problème, c'est que vous avez votre email et quand vous l'utilisez, c'est fini. La période d'essai est finie. Vous n'avez plus le droit de l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'utiliser encore. Donc, il faut avoir plusieurs emails pour avoir plusieurs moments d'essai. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre non seulement d'avoir 10 000, mais d'avoir plus que ça quand vous implémentez l'action, l'astuce que je vais vous montrer tout de suite. Surtout, restez jusqu'à la fin pour ne pas rater une seule partie de la vidéo pour vraiment implémenter l'astuce. Donc, on va aller très rapidement sur mon ordinateur. Donc, nous sommes sur mon ordinateur. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire l'essai. Vous-même, vous allez constater que c'est vraiment génial, vraiment, cette astuce-là. En fait, vous pouvez l'utiliser, comme je le dis, pour faire des essais gratuits ou bien pour mettre sur des sites pas confiance, c'est-à-dire des sites qui vont peut-être vous spammer après. Donc, si vous mettez ces emails-là, vous saurez que telle personne, c'est ce service-là qui m'envoie ce genre d'emails. Donc, pour ne pas avoir des spams chaque jour, en fait. Donc, les emails que vous aurez donc, vont être dirigés vers votre adresse principale. Donc, vous aurez plusieurs emails, mais qui seront dirigés vers votre adresse principale. Donc, les emails-là rentreront directement dans votre Gmail principal. Donc, on va aller très rapidement. La vidéo ne sera pas très longue. Donc, on va aller très rapidement. Donc, je vais prendre un site donc, pour faire l'essai. Donc, c'est un site que bon nombre de personnes connaissent. Donc, je vais parler de StreamYard qui est un logiciel qui permet de faire les directs, les lives. Donc, si vous aimerez vraiment que je vous présente ce logiciel, je voudrais que vous le dites dans la description de cette vidéo et je vais vous faire une vidéo sur ça. C'est un très, très, très bon logiciel. Mais aujourd'hui, on va essayer l'astuce. Vous voyez, donc, ici, j'ai mon email. Donc, ça, c'est mon email. Donc, c'est l'email que j'utilise sur les sites web. Maintenant, si je veux utiliser cet email plusieurs fois, c'est-à-dire si je veux avoir plusieurs emails, je vais implémenter cette astuce que vous allez voir. Donc, premièrement, je vais vous montrer mon email. Donc, je vais vous montrer le Gmail que j'ai ici là. Je vais vous montrer ça pour que vous puissiez voir. Donc, si je vais sur Google, par exemple, je vais aller sur Google. Si je vais sur Google, je tape Google Gmail. Je tape Gmail. Vous allez voir que c'est génial. Ok, donc je vais sur Gmail. Donc, une fois sur Gmail, je vais me connecter à mon adresse principale pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc je vais me connecter à mon adresse principale et après je vais utiliser je vais vous montrer comment vous pouvez changer d'email, c'est à dire avoir plusieurs emails à travers votre adresse principale. Donc ici je vais me connecter au compte que je veux. Donc je vais me connecter à mon Gmail. Donc c'est vraiment génial cette astuce. Surtout, restez jusqu'à la fin pour ne pas rater une seule partie de cette astuce, car ça va vous permettre vraiment de gagner vraiment en temps d'essai sur les logiciels. Vraiment, des fois, on a envie de faire plus d'essais, mais on est limité en termes d'email. Donc, on est obligé de recréer d'autres Gmail, alors que c'est pas évident parce que il y aura derrière une confirmation que vous devriez faire par téléphone. Donc, créer plus de 10 000 emails de cette façon là, c'est pas très 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 c'est vraiment chiant. Donc vous allez voir que cette astuce est plus simple que ça.
Donc, vous allez maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ça, c'est mon email. Donc, c'est l'email, vous voyez, je vais cliquer ici pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ça, c'est l'email. Donc, c'est mon email principal. Maintenant, je vais, à travers cet email, créer d'autres emails. Donc, qui seront liés à ça. Donc, tous les sites sur lesquels je serai inscrit, ce seraient d'autres emails, mais qui vont rediriger directement ici. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, je vais aller sur le site dont je parlais, donc StreamYard. Donc, sur ce site, qu'est-ce que je vais faire? Si je m'inscris avec cet email, vous allez voir qu'on va me dire que je suis déjà inscrit, comme tous les sites. Hein. Donc, si vous avez déjà eu à faire une inscription, on vous dit que vous êtes déjà inscrit. Donc de changer d'email. Donc, c'est ce qu'on va me dire tout de suite. Vous voyez que ce compte existe déjà. Ça veut dire que je me suis déjà inscrit avec cet email. Maintenant, pour avoir d'autres emails, c'est-à-dire, je veux m'inscrire sur ce site, mais j'ai pas à recréer une autre adresse email. Donc, vous allez voir la source que je vais faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir là où vous avez écrit votre nom. Donc, là où vous avez juste après votre nom. Donc, où devrais-je dire? Juste avant @. Donc, juste avant @. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire plus. Vous allez appuyer sur plus. Vous voyez? Vous faites plus 1. Bon, dans mon cas, je fais plus 1 parce que c'est ce que je vais ajouter. Donc, je fais plus 1. Dans mon cas, donc je fais plus 1. Je vais créer le premier. Donc, je fais mon nom plus 1. Vous voyez, je fais comme ça. Je clique sur inscription. Vous allez voir que vous voyez, ça marche. Donc, on va voir si l'email qu'il. Ils me demandent, ils disent qu'ils ont envoyé un message, c'est-à-dire ils ont envoyé un code de confirmation. Donc, nous allons voir dans notre adresse mail, je vais aller vérifier si le code de confirmation est réellement arrivé dans ma boîte principale. Vu que j'ai changé ici, comme arrivé dans ma boîte, donc je vais vérifier dans, premièrement dans la boîte principale et après, je vérifie dans la boîte, dans les notifications pour voir. Donc, pour voir si c'est tombé dans les notifications. Donc, je vais aller dans ma boîte principale pour voir si c'est venu. Vous voyez que c'est venu. Donc, vous voyez qu'ils ont envoyé StreamYard qui vient de m'envoyer le code. Donc, vous voyez que ils ont envoyé le code à Gav Coffee plus 1, mais le code est venu dans la boîte, hein, dans la boîte Gavoué Coffee. Donc vous voyez, c'est une astuce que vous pouvez implémenter pour créer plusieurs emails si vous le voulez. Donc vous pouvez créer donc plus de 10 000 emails. Donc il suffit d'ajouter des plus 1. Donc supposons que nous avons ici, on va mettre ici GA, bon, je mets GAV plus 2, vous voyez, si j'ajoute plus 2, si je fais créer, vous voyez que ça marche, ils vont m'envoyer l'email. Donc, vous allez ajouter autant de nombres que vous voulez. Donc, jusqu'à 10 000, GAV plus 10 000 emails. Donc, vous avez 10 000 emails qui redirigent vers votre boîte principale, qui est votre email principal. Donc, ça vous permettrait d'utiliser des essais gratuits plusieurs fois. Donc, vous n'avez plus besoin de recréer encore d'autres emails à cette occasion. Donc, vous voyez que si je regarde dans ma boîte, vous allez voir que je vais recevoir l'email de StreamYard qui m'a envoyé. Donc je vais faire refresh donc pour charger. Vous voyez que j'ai un nouveau email. Vous voyez que ça fait 2. Donc j'ai un nouveau email de StreamYard. C'est venu, ça marche. Donc un nouveau code que je vais taper là-bas. Donc ce qui fait que je peux avoir accès à la plateforme plusieurs fois. Donc je peux jouir de cette forfait gratuit plusieurs fois. Donc cette astuce là, j'aimerais le partager avec vous, surtout vous qui
être dans le domaine du business. Je sais que des fois ça arrive, donc c'est pourquoi je voudrais partager cette astuce avec vous. Si vous avez des amis qui ont besoin de ces genre d'astuces, je vous invite à partager cette vidéo avec eux. Ça va beaucoup les aider, ils vont beaucoup vous remercier. Pour ceux qui sont pour la première fois sur la chaîne, ici c'est Vivre du Net, ici on parle business en ligne. Si vous aimez le business en ligne et vous comptez en vivre, je vous invite à prendre 2 secondes à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, on se voit dans une nouvelle vidéo. Bye bye!